Bonjour les amis, bienvenue sur Paris ATM. Aujourd'hui, on se retrouve à Belleoire pour tester la nouveauté de 2020, Wakala. Dernier coaster de Belgique qui me restait à faire, vu que l'année passée je n'avais pas pu me rendre à Belleoire. Wakala est un très chouette coaster, très familial, beaucoup plus familial que Pegasus Express, un peu plus court également. Donc il a été construit au fond du parc, dans la zone canadienne, entre le lac et Darkwing Duel et le bateau pirate. Alors il s'intègre vraiment parfaitement à la zone, à mon avis ils n'ont dû retirer quasiment aucun arbre et en ont planté pas mal. Vraiment il serpente au milieu de la forêt comme ça, au niveau de la thématisation on est très clairement dans le canadien. Ça ne se voit pas énormément, c'est une thématisation pas très présente, mais on a quand même beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres, et au niveau végétation, c'est très parfait. La gare est un peu cubique, ça je suis un peu déçu, franchement ils auraient pu faire un petit effort sur la gare, surtout par rapport à ce qu'ils avaient fait il y a 20 ans au niveau de Niagara, c'était quand même un peu mieux au niveau de la gare. Mais n'empêche, ça reste quand même un très chouette investissement dans ce que le parc a l'habitude de nous proposer. Après, par contre, il faudrait peut-être un peu changer des family coasters parce qu'il faut savoir que les trois dernières attractions ayant ouvert dans le parc sont des family coasters. Peut-être que c'est le dernier. En tout cas, c'est le meilleur. Ça bat, pour moi, c'est au-dessus du Rakan. Et c'est très sympa pour tout le monde. D'ailleurs, la file est actuellement totalement remplie. Suite à un problème de fichier corrompu, je suis encore une fois obligé de refaire l'outro de la vidéo en off quelques jours plus tard. Alors finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé de Wakala ? Eh bien Wakala, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, est toujours un très bon ajout pour le parc. On est vraiment dans ce que Belleoire sait faire de mieux, c'est-à-dire un coaster familial, très sympa, avec une thématique simple, mais très jolie et qui s'intègre parfaitement dans le parc. Au niveau du coaster en lui-même, je trouve que la dernière partie, donc le retour en arrière, ne sert à rien si ce n'est à l'effet wow la première fois, car c'est vraiment histoire de on arrive sur la flèche et on redescend et c'est terminé. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et en tout cas, merci beaucoup car je viens de passer le cap des 400 abonnés et ça me fait très plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec l'on-ride de Wakala.